Et moi, je dis que l'homme est fait pour être libre, mais vraiment libre, libre, libre de se rechercher lui-même, de se comprendre, libre d'aimer. Et si il y a un petit groupe d'hommes réussit à faire ça, ce sera une révolution qui touchera le monde entier. Parce que on n'a pas de religion, on n'a pas besoin de religion, même si moi, je suis un pèlerin d'Arès, c'est-à-dire je crois en la révélation d'Arès. Cela étant, on n'a pas besoin ni de politique, ni de religion pour être heureux. Apprendre à être heureux, apprendre à se libérer. Apprendre à se libérer. Je sais qu'il y a des gens partout dans le monde qui sont comme ça, qui veulent simplement apprendre à se libérer. Ça fait trop longtemps qu'on est soumis par l'argent. On ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas continuer à vivre, à être soumis par l'argent. Il faut pas que l'argent, l'homme soit au service de l'argent, mais c'est l'argent qui doit être au service de l'homme. Et encore, est-ce qu'on est obligé de vivre avec de l'argent? Je sais pas, il y a des gens comme Francis Cousin qui nous disent qu'on pourrait très bien vivre sans argent. Et puis il y a des anarchistes qui nous disent d'autres choses. Et puis il y a des pèlerins d'Arès qui vont nous dire d'autres choses, on verra bien. Alors, on est en dictature, oui. La dictature, par exemple, c'est la dictature du nombre, la dictature de la masse. Moi, je ne suis pas particulièrement démocrate. Je veux dire par là que je ne crois pas que dans une assemblée où il y a 50 personnes, s'il y a 49 idiots et un intelligent, un homme bon, un homme pieux, ben je ne crois pas qu'il va y gagner, l'homme pieux, l'homme intelligent. Après tout, Socrate a été tué par la démocratie parce qu'il a accepté de boire la ciguë, alors qu'on lui avait proposé de partir, il aurait pu s'évader, etc. Il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est quoi la démocratie? C'est quoi la volonté qu'on a de vivre et de vivre ensemble? On veut vivre ensemble parce qu'on veut vivre bien. On veut vivre, c'est parce qu'on est capable de vivre bien qu'on est capable de vivre ensemble. Toutes ces choses-là, il va falloir les redéfinir, y repenser, en faire quelque chose. Je pense que toutes les sociétés tendent à la dictature parce qu'il y a toujours des gens qui ne règlent pas leurs problèmes intérieurs. Leurs problèmes intérieurs, ce sont le rapport à autrui. Quel est le rapport qu'on peut avoir à autrui si ce n'est l'amour, la liberté? Je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Alors oui, certains diront que c'est de l'anarchie, je dirais oui, c'est vrai. Mais c'est surtout le message d'amour qui a toujours été exprimé par les gens les plus divers dans toutes les religions, dans l'absence de religion aussi. Parce que c'est le bon sens. Le bon sens, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi je ne m'arrangerais pas pour être heureux? Heureux avec moi-même. Et c'est parce que je suis heureux avec moi-même que j'arrive à être heureux avec les autres. Et ma foi, ça, c'est un feu qui ne doit pas s'éteindre. Être en feu, en permanence. Vouloir au plus profond de soi-même d'être heureux et de rendre heureux. Et certainement pas par l'artifice de l'argent, de la matière et ce genre de choses. Non, on parle des rapports humain, intelligent et sympathique. Voilà, ce genre de choses. La dictature, c'est beaucoup de choses. La dictature, c'est pas que Franco ou Pinochet ou... Non, c'est la dictature de l'argent dans laquelle nous sommes. Actuellement, on voit beaucoup de gens qui... C'est aussi la dictature du travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ils sont éreintés quand ils ont fini leur journée de travail. Et une fois qu'ils ont fini leur journée de travail, ils n'ont plus la place pour réfléchir. Alors, ils ont du temps libre de cerveau qu'ils donnent à la publicité, à la télévision, au lieu de se reconquérir eux-mêmes. C'est ce genre de choses qui posent problème dans une démocratie. Dans une démocratie, il faut forcément être intelligent et bon. Si on n'est ni l'un ni l'autre, si on n'est pas les deux, on n'est pas en démocratie. On est dans un ersatz de démocratie.